إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parfois, lorsqu'on est amené à donner un sermon, on passe énormément de temps pour choisir de manière pertinente le sujet. Mais il y a des jours où le sujet s'impose par lui-même. La semaine passée, le sujet s'imposait, on était dans les 10 jours. Et chez les Arabes, en fait, ils ont une parole, « Al-Munasabatu Shart », l'occasion est une condition. Nous sommes le 8 d'Il-Hijja. Demain, nous serons le 9 d'Il-Hijja. Et le 9 d'Il-Hijja, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours, c'est un jour très spécial. C'est le jour de Arafah. Notre sermon va se dérouler en 2 étapes. La première étape, je vais parler du jour de Arafah, les mérites du jour de Arafah, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce jour de Arafah. Et la deuxième khutbah, je vais donner la parole au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné un serment. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage dans sa vie. C'est celui qui s'est déroulé à la 10e année, d'Il-Hijja de la 10e année. Et comme vous le savez, il rejoindra Allah subhanahu wa ta'ala le 12 Rabi' al-Awwal de la 11e année. Et donc il va donner un serment très important. C'était l'occasion pour s'adresser à la Umma de l'Islam. La semaine passée, j'ai introduit le sujet en faisant un parallélisme avec... entre les 10 derniers jours ou les 10 dernières nuits de Ramadan avec les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et j'avais dit que, subhanallah, il y a énormément de ressemblances. Parmi ces ressemblances, c'est dans les 10 dernières nuits, il y a une nuit spéciale, une nuit qui vaut mille nuits, c'est Laylat al-Qadr. Subhanallah, dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, on a un jour spécial, un jour où Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste par sa miséricorde. Plus que les autres jours, c'est le jour de Arafah. Mais j'avais dit également que la chance qu'on a dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, c'est que contrairement à Ramadan, Laylat al-Qadr, on ne sait pas où elle se situe exactement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par sa miséricorde, par sa clémence, il nous a donné des indices en nous disant qu'elle se trouve dans les 10 derniers jours, dans les 10 dernières nuits impaires. Il a essayé de nous aider. Mais subhanallah, le jour de Arafah, il est connu, il est déterminé, il est précis. C'est lequel? C'est le 9e jour. Et le 9e jour, c'est demain. Et ça tombe très très bien, mais subhanallah, c'est que le vendredi, c'est le lieu de se rappeler pour se préparer à demain. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit la fois passée, qu'il faut préparer son cœur pour qu'il puisse vivre pleinement ce jour-là, le jour de Arafah. Avant de dire les mérites, j'aimerais d'abord, mes frères, sincèrement vous demander une chose. Celui qui attend demain en se disant « Demain, Inch'Allah, je vais... » Sachez qu'il ne va rien faire. Sachez qu'il ne va rien faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit tous prendre une feuille, un bic, ou bien pour ceux qui ont des smartphones, au moins là, il faut bien les utiliser, faire un programme de la journée de demain. Faire un programme de la journée de demain. À quelle heure je vais me réveiller? À quelle heure je vais lire le Coran? À quelle heure je vais faire du'a? À quelle heure? Je vous assure, si ton ego, tu ne lui mets pas des limites, elle ne pourra pas respecter. D'ailleurs, elle n'a rien à respecter, tu ne mets pas de limites. Il y a des personnes qui vont dire, moi demain, Inch'Allah, je vais faire comme l'i'tikaf. Ça veut dire, je vais faire un ribat, un jour de ribat, un jour où je vais aller à la mosquée, je vais faire que ça. Oui, mais si tu ne peux pas, fais attention. Si tu ne peux pas, dis-toi que, voilà, de telle heure à telle heure, je vais faire ci. De telle heure à telle heure, moi, il faut faire vivre ta journée. Pourquoi je dis ça? Parce que cette journée est tellement importante qu'on ne doit pas faire du freestyle.
Ça veut dire quoi du freestyle? Ça veut dire je me réveille et voilà, et je verrai. Non, il n'y a pas je verrai. Il y a je programme. Je programme. Chaque chose, je la mets à son moment. Et d'ailleurs, subhanallah, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des adorations qui doivent se dérouler à un moment bien précis. Tesbih, par exemple, les meilleurs moments pour faire subhanallah wa bihamdi, c'est avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. C'est les meilleurs moments. Le meilleur moment pour faire l'istighfar, c'est juste avant le fajr. Wal mustaghfirina bil ashar. Le dernier tiers de la nuit. Sachez que le jour de Arafat, vous savez que la nuit précède le jour. Ça veut dire, dès le Maghreb, on est déjà à la 9e, le 9e jour. Et le 9e jour se terminera demain dans le Maghreb. Donc c'est un jour extrêmement important pour passer à côté. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, lorsqu'il doit investir des milliers, voire des millions d'euros, croyez-moi, l'organisation qu'il met derrière, elle est impressionnante. Là, on parle de ton devenir. On parle de ta destinée demain auprès de Dieu, exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription que d'Allah, le jour où il créa les terres et les cieux et les terres. Quatre d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs jusqu'à la fin du verset. Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il y a 12 mois. Et parmi les 12 mois, il a mis des préférences. La préférence, elle se porte sur 4 mois, qu'on appelle les mois sacrés. Il y en a 3 qui se suivent, à savoir Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram et puis Rajab. Et parmi ces 4 mois, il y a des jours qui sont spéciaux, à savoir les jours de Dhul Hijjah. Et parmi ces 10 jours, il y a un jour spécial, c'est Yawm Arafah. Yawm Arafah, c'est un jour énormément ou très spécial parce que un verset très important fut révélé pendant le jour de Arafah. Ce verset est le suivant. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dieu Azza wa Jalla dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset-là, il fut révélé le jour de Arafah. Alors, quelles sont les meilleures adorations? Ou bien, quelles sont les adorations qui étant mises en évidence par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Le premier, c'est le jeûne. Et le deuxième, c'est l'invocation. Je ne dis pas que les autres adorations, il faut les négliger. Mais les deux qui se distinguent dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a deux. Le jeûne du Arafah et l'invocation.